Azul, c'est l'histoire de Miguel. C'est un jeune homme qui a la capacité, le pouvoir de rentrer dans les tableaux des grands maîtres et de les améliorer. Mais ces changements ne vont pas être au goût d'un homme très mystérieux qui va le prendre en chasse. Et pour s'échapper, Miguel va faire une course-poursuite folle à travers différents tableaux. Créatif, amoureux et un peu naïf. Sans compter la nuit étoilée de Van Gogh. Le musée Dalí à Figueres, c'est un lieu qui est complètement fou comme le peintre. Partout. J'ai des petits carnets, j'écris vraiment partout. Sinon, j'ai un bureau chez moi. Des fleurs pour Algernon, Misery et le bizarre incident du chien pendant la nuit. La joie d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fini son histoire, et puis la tristesse de laisser ses personnages, son univers. Puis on a aussi des fourmillements dans les doigts parce qu'on sait qu'on va commencer autre chose. Eh bien, si avec Azul, ça donne envie à des lecteurs d'aller voir ses œuvres en vrai ou d'aller au musée, ben, j'en serais le plus heureux des auteurs.